YouTube, ici Biero1810 qui commence la vraie aventure, vu que dans une de mes parties précédentes, j'ai trouvé un joli petit flocon en descendant dans le puits. Cela m'a donné 5 parties gratuites, alors profitons-en, je vais même m'en permettre de m'enregistrer, de jouer une fois. Et bordel de merde, j'ai oublié de partir mon chrono, je vais juste le recommencer. Petit misère. On va se rajouter 30 secondes, on va dire à peu près, peut-être une quinzaine. Bon, 20, tiens. Bon, ok. Je commence. Je commence. Merci. Bon, très bien. On va commencer par le premier bonus, c'est-à-dire la pièce. Ensuite, le deuxième bonus, le passage secret. Ensuite, le bloc invisible, si je ne manque pas. Phew. Yes. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, bordel de merde. Qu'est-ce que... Ah, ben... Je viens d'apprendre que c'est ouvré la carte. On va attendre un peu que les deux items spéciaux bonus apparaissent. Oh non, le sphère, je le prends pas lui. Ah, lui, je le prends. L'ennemi le plus facile du jeu, je viens de le conquérir. Il m'a donné un cristal bleu qui vaut quasiment rien, mais que c'est bon à prendre pareil. Deuxième bonus, cette chère pièce en or. Et monsieur tombe dans le trou. Ouais, un autre cristal bleu et j'emprunte la porte pour avoir encore plus de points. Bienvenue dans le repère des carotteux. Nous t'attendions. Et ici, je peux plus poster de bombes. Nous sommes des reflets de ta personne. Nous provenons chacun d'une dimension parallèle et nous avons réussi avec tuberculose. Hein, c'est pas vrai que je l'ai dit comme du monde. Une entité supérieure nous envoie ici afin de t'aider dans ta quête et te montrer la voie. Pouille-nous, toi! Voici la clé de Gordon qui te permettra d'ouvrir l'accès à notre cave. Les autres, les caves. Merci. Nous avons caché au fond de cette caverne une canne de bubble, un objet de la légende de grande valeur. Et là, normalement, tous les autres sont sortis. Ouh! Bon. Ici, c'est quand même un peu plus dur. Ça mérite de perdre une vie. Bon, ça va vraiment mal. Hey, veuillez en perdre une deuxième. Eh bien, commence pas bien. J'ai déjà une vie de moins. Ah, encore plus dur. Ça fait longtemps que je joue, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué. Fait qu'on peut équivaloir ça à... J'ai quasiment jamais joué. Yep, merci. Merci. Et le boss. Puis en passant, il m'énerve. Chier, ouais, quand ils sont deux, c'est quasiment impossible. Yes! Phew! Ah bon, c'est proche. Huh. Yeah! We're gonna do super things! Huh. Et dis, hop! Bon, c'est beau. Je me fous complètement de ce que vous dites. Même si votre canne de bubble de merde est corrompue. Je m'en fous. Tout ce qui m'intéressait, c'est les points, mais j'ai perdu une vie. Et il tomba dans le trou. Et il explosa sa grosse tête et je coince le cristal vert parce que j'étais sûr de la combinaison des monstres que j'ai fait. On ouvre le spécial temporel. Le spécial spatial spécial spatio-temporel. Je sais même pas moi-même ce que j'ai dit. Ouais, ballon! Mourez! J'ai dit mourir, Steve, vas-tu m'écouter? Merci. J'étais encore une fois sûr de ma combinaison. Parce que je me souviens rien que de ceux-là. Passage secret. Oui, plein de cristal. Génial. Je vais commencer par celui du haut. Il me facilite pas la tâche. Tiens, prends ça. Et génial. Matériel d'architecte. Tu meurs. Cristal vert. À force de me tromper, je vais venir m'en souvenir de la combinaison.
Bon, ici, je m'en souviens jamais, mais je sais qu'il faut que je commence par l'orange-orange. La pièce invisible. Tout plein de bonus. Christie. Monsieur Christie, faites des Christie de bons biscuits. C'était pas une bonne idée d'essayer d'aller les chercher. Il monte et il redescend en tabarnak. Hein? Il... Hein, je l'ai eu. Yay! Superbe! Esti. C'est pas encore les ennemis les plus redoutés, mais ça va le devenir, j'ai pas fait assez attention. J'ai de l'air d'un cave, pis j'suis un cave. Hein? Chaque fois que je saute, ça me donne 10 points. C'est fun. Ouais, plein de points. Fait me faire avoir. Mourir. Ah, 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 ah. Super combo breaker. Hop. Oui. On continue avec ça encore une fois cette grosse tomate de mes deux. Moi ça, j'ai pas réussi à poigner. Et je rentre comme un thème. Bon. Yay! Ah, oh, c'est le fun! Je me suis pas rendu. Boum! Shield! Nani? Et il fut mort. Ah, 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 ah. Et toi avec, tu fus mort. C'est juste que tu juste vu prendre plus de temps. J'ai failli me faire enlever une autre vie. Tu montes? Oui, il monte, mais je me suis adoré. Je pensais qu'elle allait monter. Encore une autre vie de moins. Et toi, Grésilia. Petit fantôme. J'ai pas regardé s'il me donnait des points ou bonus quelconque, j'ai perdu mes 10 points à chaque fois que je sautais. Quel dommage. Et de 1. Et de 2. Ah! Je veux juste l'œuf, me fous du reste. Bon, ok, peut-être pas. Peut-être qu'il y a un peu. Les bombes peuvent passer le téléporter. Oups là, il commence à aller vite. Et ta map méchante commence à devenir vraiment méchante. Niveau suivant, 15. Je suis le dieu des dieux. Ah, peut-être pas finalement. Shrink au niveau 3 de la pyramide. Oh ben! Je vais le chercher volontiers. Bon, là, c'est un je le veux. Points. 6 ennemis d'un coup, ça serait bon, ça. La lampe. Le i. Et le bonbon. C'est de la merde. Non, j'en ai tué un! Et je pense que j'ai juste le temps de finir ce niveau et ensuite c'est terminé. Plein de cristal, j'en reçois normalement encore plus que ça. Mais j'avais accepté leur offrande pareil. Bon,
j'arrête ici la première partie parce qu'il commence à être tard en Titi. Salut à tous!